à la fin du XVIIIe siècle, dans ce qui s'appelait la République des Grisons. Les Grisons, maintenant, c'est un canton suisse, mais à l'époque, c'était une république. Et c'est le village d'Europe le plus haut du monde, Sils Maria. Et il y fait un climat presque semblable à celui de la Laponie. Pour plaisanter, ils disent qu'il fait 9 mois d'hiver et 3 mois de froid. Mais c'est pas loin de la réalité parce que cette nuit, il a neigé à Sils Maria. Et donc, c'est un endroit, c'était très pauvre. C'est un endroit absolument sublime. Vous avez des glaciers, des fleurs, le soleil, c'est sublime. Et il y avait un petit berger, très très pauvre, qui avait 11 ans. Et il gardait les chèvres d'un paysan. Pour y gagner sa vie déjà. Et puis il y a eu un accident et il a eu tellement peur, ce fermier était un type abominable, et il a eu tellement peur qu'il s'est enfui, pieds nus. Et il est arrivé près de 750 km plus loin, à Magdebourg, en Prusse. Pourquoi Magdebourg? Parce qu'il avait là-bas un cousin qui avait une confiserie en vogue. Et il est entré comme apprenti chez ce cousin. Là, il a été absolument passionné par l'univers de la confiserie, avec les odeurs, les goûts, les saveurs, et passionné par le travail. Et il a dépensé toute son énergie, il est devenu le meilleur. Et petit à petit, ensuite il est devenu, alors apprenti, il faut savoir ce que c'était à l'époque, c'était travailler 14 heures par jour dans un sous-sol. Et on gagnait, le peu d'argent qu'on gagnait, on le recevait à la fin de l'apprentissage de 5 ans, autrement pas un sou. Et donc ensuite il est devenu compagnon, et puis il a eu envie d'ouvrir lui-même sa propre confiserie. Et il l'a fait à Berlin, donc la capitale de la Prusse, où il n'y avait aucune confiserie encore. Il a pu le faire avec un ami d'enfance. Et il a été tellement, c'était tellement parfait ce qu'il faisait, qu'il a vite été le fournisseur de la cour, et qu'il a eu vite une clientèle, et que petit à petit, il a pu créer un véritable empire de la pâtisserie. Il s'appelait Johann Josti. Et le café Josti existe toujours à Berlin. Et c'est devenu vraiment un empire.